Salut à tous, moi c'est Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Gear Lab. Aujourd'hui j'ai le plaisir de faire une démo de ce petit monstre, le Victory Sheriff 44. Très rapidement, on est clairement sur une vibe marshallienne avec deux canaux, donc le volume 1 pour le canal 1 et le volume 2 pour le canal 2. Ici j'ai le foot switch qui est branché sur le input 1 et qui me permet du coup de changer de canal. Et la guitare est branchée sur le input 2 directement. Alors si je veux, je peux tout simplement brancher la guitare sur le input 1 ou le 2 sans le foot switch. Mais bon, là j'ai le foot switch, donc je vais bien sûr m'en servir. Donc c'est un ampli deux canaux avec une équalisation partagée, un bouton de présence, un master. Et même si c'est marqué volume, c'est un gain par canal. On a trois modes de puissance possibles, donc 45 watts c'est le maximum, sinon 30 watts et enfin 6 watts. Donc là je joue en mode 6 watts parce que sinon je m'explose complètement les oreilles, c'est pas le but. Et puis il sonne déjà merveilleusement bien et qui plus est très très fort. C'est-à-dire que j'ai déjà fait une répète avec cet ampli, j'étais en mode 6 watts et j'ai eu aucun problème à sortir du mix. Donc, je vais passer directement sur les sonorités. Aujourd'hui, je joue avec une Les Paul et cette magnifique Duesenberg Paloma qui a donc deux micros simples et un micro, un bocaire en chevalet. Donc, il va donner aussi des sonorités différentes et complémentaires. On va maintenant passer sur le test du canal clair. Je vais commencer avec le micro manche de ma Les Paul. Le volume est assez bas, donc je vais avoir un son clair, mais même à ce niveau-là, il commence déjà à cruncher un petit peu si on tabasse. Voilà, on sent déjà que ça mord un petit peu si on attaque. On va passer sous le micro chevalet. On va essayer d'avoir un son encore plus clair. Donc là, on voit quand même qu'il tient, il a un peu de marge. Donc le son clair tient bien la route, pas de problème. Maintenant, on va pousser le gain pour voir jusqu'où il peut aller en termes de gain. Déjà à moitié. Voilà, on a quand même déjà pas mal de marge pour envoyer un peu de disto. Et là, on va voir qu'on est sur du territoire hard rock carrément. Thank you.
Donc ça répond quand même très très bien à la dynamique de jeu et au potard de volume de la guitare. Hein. Et voilà, donc on va tester un petit peu maintenant tout ce qui est potard de d'équalisation. Ça épaissit bien le son, mais c'est pas non plus drastique comme comme potard. Donc le potard de présence qui intervient vraiment au niveau de, du master volume, donc bien après, et qui est vraiment très pratique. Finalement, je trouve que l'équalisation n'est pas très très radicale, elle permet juste de peaufiner un son qui est déjà très bien, donc moi ça me convient parfaitement. Maintenant, on va passer sur le deuxième canal, où là ça envoie beaucoup plus de disto déjà. Alors moi j'aime quand il y a une différence quand même un petit peu plus marquée, parce que vous avez vu que quand on pousse le volume du canal 1, finalement on a déjà pas mal de disto, donc pour avoir des sonorités bien distinctes, je baisse le volume du canal 1, et j'augmente le volume du canal 2. Donc le canal 2 est aussi très dynamique. On va baisser un petit peu pour tester avec un peu moins de gain. Donc on voit quand même qu'on peut avoir des sonorités un peu plus rock and roll sans être vraiment très très métal.
Donc on est sur des sonorités très très rock. Et ensuite, juste derrière, on peut passer sur du son quasiment clair. Maintenant, on va passer sur une deuxième guitare avec des micros simples pour tester un petit peu des sonorités différentes et voir comment il réagit avec d'autres micros. Voilà, on a un son très très cristallin, typé JTM 45, parmi les plus beaux sons clairs qu'on peut trouver. Maintenant, on va passer sur la disto, quand même un petit coup avant sur le micro chevalet. Maintenant, avec la disto. Voilà, c'est un ampli très très dynamique, très réactif. Chaque guitare a vraiment son caractère qui ressort quand on joue. Et très très belle sonorité. Un ampli que je recommande vraiment parce qu'il est extrêmement polyvalent. Avec les différentes options, de sonorité, on peut jouer à toute occasion et tout volume. Donc ça, c'est quand même extrêmement appréciable. Là, je joue quand même assez fort, c'est pas un volume d'appart, mais c'est pas non plus un volume à me détruire les oreilles. Donc voilà. Il faut savoir que cet ampli, sur le premier canal, on est plutôt sur un son typé Marshall JTM 45 jusqu'à un Marshall un peu plus musclé. Donc c'est parfait pour du rock plus 60s, on va dire. En poussant le gain, on peut avoir déjà quand même pas mal de disto. Et ensuite, le deuxième canal, on va être plus sur du Marshall boosté et sur du JCM 800. Donc, on passe plutôt sur les années 80, 90, etc. C'est pas un ampli pour faire du métal. Par contre, on est vraiment sur des sonorités plutôt typées vintage. Donc, hard rock. On pense très bien à Led Zepp, Cream, mais aussi les Guns, pas de problème. Voire des trucs un peu plus grunge à la Soundgarden. Donc un ampli polyvalent et qui sonne merveilleusement bien. J'adore, je conseille vivement. Et donc si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à très bientôt.